Dans la vie, il y a des choses qui sont louches. Et naturellement, quand je parle de ça, le monde me dit toujours... Ah ben oui! C'est vrai! La CIA, c'est louche. Le gouvernement, c'est louche. La guerre, c'est louche. Les bombes, c'est louche. Pis moi, hey... Je suis louche. Ah ben oui! Je te comprends, man. Oui, tu me comprends. Et merci beaucoup. Le cave. Non, mais voulez-vous bien me dire c'est quoi le problème du monde aujourd'hui? Réveillez-vous. C'est pas des grosses choses comme l'armée pis de la CIA qu'il faut se méfier. C'est des petites choses. Le café, par exemple. Hey, ça, c'est louche. Ça a l'air innocent comme ça dans vos tasses, là, mais je vous le dis, moi. Il y a du méchant dans le café. Et là, je le sais, vous allez me dire, ben voyons, JF, c'est-tu relax, là, tu le café, là, c'est juste des grains, là. Ben ouais, c'est ça. Tu penses que c'est juste des grains, mais moi, je te le dis, c'est pas juste des grains, là, c'est l'effet de ces grains. Hey, JF, t'as-tu vu ça? Je me suis acheté une machine à café à 500$. C'est hot, hein? Ouais, c'est hot. Mais en ce moment, je m'excuse, là, mais t'es le parfait cliché du gars qui se fait fourrer. Hey, 500$, le man, le 500, le 500. Si le café instantané, ça l'existe, le savais-tu? Tu bois de l'eau, pis tu crisses les grains là-dedans, là, pis c'est fini, là, that's it! Mais c'est moins bon! Non, non, c'est dans ta tête, ça. On a infusé ça dans ta tête. Mais tu comprends pas, Jean-François, j'ai besoin d'un bon café, ça me réveille! Non, t'en as pas besoin. Ce que t'as besoin, c'est un bon coup de palette derrière la tête, là, t'sais. Réveille, esti, réveillez-vous, Chris. Voyez pas, il y en a partout, du café partout, esti, partout. T'es bien que quand tu vas dans un café, là, il y en a pas cinq sortes de café. Il y en a 226. 226 comme qu'il y a 226 pays. C'est-tu pas louche, ça? Tu vas boire un café pis t'as l'Assemblée générale de l'ONU en grain devant toi. Vous trouvez ça normal, vous autres? Moi, en tout cas, je trouve ça anormal qu'on me dise que le Kenya, c'est une saveur. Hey, franchement, là, le Kenya, c'est pas une saveur. Okay? Au gros max, là, c'est le pays des girafes. Puis veluté, c'est quoi ce veluté? C'est quoi? C'est supposé d'être doux? Puis corsé, c'est quoi ce corsé? C'est quoi? C'est supposé d'être tough? Puis vanille, noisette? Voyons, toi. Peux-tu bien me dire c'est quoi le trip de la vanille puis de la noisette? Voyons, toi, c'est pas des saveurs, ça, c'est une vraie psychose. Le moins, en tout cas, j'ai trop bu de café, tabarnak. J'ai trop bu, si, t'es mohu. Pis t'as eu toi aussi, pis toi aussi, pis toi aussi, pis nous a tout eu. Voyez l'effet du café. Ce tas de tout n'avait pas lieu d'être. Ça va faire le café au fétichiste, le gars, réveillez-vous sans expresso, le gang de junkies, le gars, le café a percolaté vos têtes. Vous voyez pas? Vous êtes devenus des cafés aux zombies, là! Vous êtes devenus des cafés aux zombies drogués, motivés, rapides! Puis votre job, vous l'aimez pas, OK? C'est le goût du café qui vous fait aimer vos jobs. Je vous le dis, moi, le café est un régulateur social. Longer les mains d'un grain pour y croire? Non, mais c'est quoi, là? Faut absolument palper les graines? Ah oui, c'est le fun, toucher du café! C'est granuleux, c'est beau, c'est brun, c'est chaud! Oui, c'est chaud. Mais toi, t'es gelé, man. T'es plus là. Si je te reconnais pas, hey, ça va faire, là. Ça va faire le café au fétichiste, le gars. Réveillez-vous sans expresso, le gang de junkies, le gars. Le café a percolaté vos têtes. Vous voyez pas? Vous êtes devenus des cafés aux zombies, là. Vous êtes devenus des cafés aux zombies drogués, motivés, rapides. Puis votre job, vous l'aimez pas, OK? C'est le goût du café qui vous fait aimer vos jobs. Je vous le dis, moi, le café est un régulateur social. Classer des dossiers, c'est plate. Hier, j'ai classé des dossiers, il y en avait plein, il y en avait des rouges, des verts, des bruns. Vous voyez l'effet du café? Ça, c'est un junkie qui parle. Car normalement, le gars aurait dû dire « J'ai classé des dossiers de couleurs différentes. » Puis ça, c'est plate. Puis gardons ça, ma job est plate. Puis gardons ça, ma vie est plate. Regardons ça, mon bonheur, il est flat. T'avais raison, Jean-François. J'étais vraiment devenu un café aux zombies, drogué, motivé, rapide. Ouais, je sais. C'est pourquoi que je répète que sans café,
il y a des choses qui changeraient. Le chômage monterait, la bourse tomberait, le monde se rebellerait. Il verrait que la société n'est pas motivante. Il le verrait et il se battrait. Je vous le dis, un autre monde est possible, un monde voulu et non moulu. Lâchez le café et tout ira bien.